Le dispositif réceptionné ce mardi devrait permettre de renforcer les capacités du Niger en matière de diagnostic et de surveillance épidémiologique. Un don de l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, composé entre autres d'un laboratoire mobile de bactériologie, de même que d'accessoires servant aux analyses et autres cultures virologiques. C'est un laboratoire de bactériologie capable de faire toutes les analyses bactériologiques, culture, coproculture, isolement, antibiogramme, etc. Tout ce qui est possible au niveau d'un laboratoire fixe. Cette donation vient renforcer les capacités du CERMES en matière de diagnostic dans le cadre de la surveillance épidémiologique des événements de santé publique. L'équipement médical d'une valeur de 135 millions de francs CFA viendra ainsi équiper le Centre nigérien de recherche médicale et sanitaire. De quoi offrir une mobilité bienvenue à la structure qui héberge déjà la plupart des unités de recherche du pays. Nous logeons également tous les laboratoires, les laboratoires nationaux de référence. Donc vous comprenez combien ce laboratoire mobile-là peut permettre d'effectuer donc des analyses à l'intérieur du pays. Et c'est vraiment, comme son nom l'indique, un laboratoire mobile qui est doté de toutes les fonctionnalités d'un laboratoire fixe. Ce nouveau laboratoire devrait par ailleurs permettre aux autorités sanitaires d'accéder aux zones les plus reculées du Niger. Un soutien de taille dans la riposte contre l'épidémie de choléra qui a déjà fait plus de 80 morts dans 6 des 8 régions du pays.